Eh bien salut tout le monde, c'est Mikadog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing sur un petit case opening, excusez-moi, sur Counter-Strike Global Offensive CSGO les amis. Voilà, alors j'ai pas mal de caisses, hein. J'en ai 73 je crois. Mais aujourd'hui j'en ouvrir que 10, je pense que je vais faire des petits case openings. Oui, des case opening 10 par 10, au moins comme ça, ça permet d'en faire plusieurs. Depuis 10 là, j'en aurais peut-être eu le double depuis. Donc voilà, je vous mens pas, hein. J'ai quoi? J'ai de la chasseur, j'ai de la revolver, de la fauchon, de la Satu 1, de la Satu 2, de la breakout. On a quoi? On a de la phoenix, on a de l'avant-garde, et puis c'est déjà pas mal. Donc on a pas mal de petites clés. Donc je vais ouvrir deux chasseurs parce que j'en ai deux. Je vais ouvrir une caisse fauchon, bah j'en ai qu'une. Je vais ouvrir aussi une caisse revolver. Parce que voilà, il y a des petits revolvers quand même pas mal sympas dedans. Et ensuite, que de la statue 2, sauf la dernière, ça sera une petite caisse sombre. J'ai vu qu'il y avait des petits skins sympas, donc on va essayer. On est parti, les amis. On va commencer avec les chasseurs. Hop, on est parti. On ouvre celle-ci. On croise les doigts de pied, on croise les testicules. Et en avant. Il y a du rouge, il y a du rose qui passe, du rouge encore. Bon, on a quand même un petit Mac 10. Bon. C'est pas terrible, mais... un petit Mac 10 fragment. Décapité par la guerre, là, c'est pas possible. Écoutez, on aura plus de chance pour le prochain. Je vous propose de, dès maintenant, ouvrir the second case. Hop, celle-ci. On croise les poils des pieds. On croise les poils des dessous de bras. Et on y croit à fond. Allez, on est parti. Concentré, il y a du rose qui passe. Putain, il y avait la carte rouge. Bon, on tombe sur une petite ogue. C'est le deuxième item violet. Je vous rappelle, il y a bleu, violet, rose, rouge et jaune. Couteau, on veut du cut. Bon, c'est une petite ogue. Pas piqué des hannetons, comme dirait quelqu'un. Eh putain, elle a pas l'air si dégueulasse que ça, le skin a l'air assez correct en soi. Mais bon, c'est toujours pas non plus quelque chose de bien sympathique. Alors ensuite, je vous conseille, enfin je vous propose tout simplement, d'ouvrir la petite clé de caisse fauchon. Alors fauchon, j'espère qu'il y aura quelque chose de sympa. Regardons un petit peu ce qu'il y a. Alors moi ce que j'aime bien, déjà la Galil. La Galil, tout le monde la critique, mais la Galil, elle est bien la Galil, y a pas de recul avec ça, c'est que des headshots. Enfin presque. On a une petite Galil assez sympa, voilà, après il y a du Glock, il y a du Nova. La P90 version d'élite, je l'ai déjà, mais bon, comme le MP45, je l'ai déjà. L'USP Torque, bon, il est quand même sympa, hein, en round déco. On a le petit Famas jaune, bon, je suis pas très fan, mais il reste sympatoche. La petite M4A4, quand même, elle est jolie, elle est jolie. On a quoi, la petite MP9 rouge, moi tant qu'il y a du rouge, de toute façon c'est beau. Après on s'en fout, là on arrive vers un CZ75 auto. Bon, ça peut plaire. Après la MP7, clairement on s'en bat les couilles. Je trouve que la SG en Cyrex elle est horrible. Elle vaut pas la M4A1S. Franchement, ça y a pas moyen. Ensuite, on a la petite AK47. Alors celle-là, par contre, mais un petit bijou. Et la WAP. La WAP. La WAP. Mais bon Dieu, de bon Dieu, la WAP. Bête déchaînée. Puis bon, bah le couteau. Le couteau. Hein. Allez, on est parti. On y croit. Bon, il y a du rouge, ça me plaît. Putain de connerie de merde. On continue. On a ouvert 4 caisses. 3 caisses, autant pour moi. Nous allons ouvrir la quatrième. La quatrième, ça sera une caisse revolver. J'espère au moins tomber sur un revolver. Au moins. Allez, on y croit. On y croit plus. Non. Qui joue avec cette arme, sérieusement? Est-ce qu'on peut me dire qui dans ce monde joue avec un Shade Off? Bon, écoute, on va ouvrir de la Statue 2. De la Statue 2, c'est un petit peu mieux, je pense. Je pense la Statue 2. Bon, allez, j'ai 5 caisses. Allez, on y croit. Allez.
J'ai failli faire le FAMAS quand même. Au moins le FAMAS, je me serais dit, bon bah ça va. Là j'ai un vieux Desert Eagle déco de bronze, en plus je l'ai déjà. Bah si, je crois que je l'ai déjà en fait, j'ai dit que je l'avais pas encore, mais je crois que si, ou alors je l'ai revendu. Parce qu'il devait être dégueulasse. Bon, les amis, je commence à être un petit peu déçu. Je commence à être un peu déçu, mais en même temps, fallait s'y attendre. Croise les doigts. Je sais pas si je dois être content parce qu'il est stat track. C'était la 6ème caisse, les amis. On va ouvrir la 7ème après. La 7ème. La putain de 3ème caisse statue 2. Ok. Allez. Please. Il y a du rouge, il y a du rose, il y a du violet. Allez, ferme les yeux, j'y crois. J'y crois, plus il y a de la merde quoi, c'est non mais. Ok les amis, dernière clé. La clé de caisse sombre. Si cette putain de clé ne me rapporte pas un truc de ouf, je sais pas si je ferai d'autres caisses open. À moins d'avoir de l'argent à foutre en l'air. Ce qui est le cas. Mais. Le pire c'est que ça serait même pas un couteau, ça serait des vieilles dagues toutes pourries. Mais je me dis. Elle va peut-être tomber sur une petite AK sympatoche, une petite M4-1S, une petite SSG, bon bah elle est pas si dégueulasse que ça, bon y a pas d'AWAP là, c'est un peu con. Mais écoutez quand même d'autres skins un peu sympas. Donc faut y croire les amis. Attention, petite musique de suspense. Nous sommes réunis pour ouvrir la dernière caisse, la 10ème caisse de ce premier case opening. Ce case opening, j'ai mis toute ma conviction, tout mon cœur, tout ce que j'avais, même mes poils de pied. Et on espère dans cette petite clé qui va ouvrir cette petite caisse, avoir quelque chose de bien. Au moins qui est coûteux, au moins qui rapporte du miné. Allez, faut pas y passer 15 ans. Thank you.
J'ai voulu me suicider, mais j'ai pas eu le courage. Trop de peine quand je vois ce que j'ai là. Vous avez obtenu un nouvel objet. Macro. Enfin bref, c'était tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous, c'est très important. Et bye tout le monde.